Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog avec cette tête de fille très fatiguée. Il est... Quelle heure il est? Tu fais 7h44. On est dans le train à Paris pour partir à Dunkerque pour la signature. Donc c'est parti, on se retrouve là-bas. Jelly est prête pour le voyage. Tranquille ou pépère dans sa petite malle. Sa petite mallette. Oh oui. Hier, je lui ai fait prendre un bain. Ça devait être drôle, ça. À l'hôtel. Non, est-ce que Radhi a bien aimé son bain? Radhi a détesté. Elle a même bouffé du savon. Oh. Ce qui fait qu'après, elle a craché des bulles. Oh, mais c'est mieux de péter dans le train. Ah oui, oui, non, mais là... Donc, on est bien arrivé. Alors, on n'est pas exactement arrivé à Dunkerque. En fait, on est arrivé à la gare de Dunkerque, mais... L'hôtel dans lequel on est à Berg, et Berg c'est l'endroit où a été filmé Bienvenue chez les Ch'tis, ou en tout cas où se passe Bienvenue chez les Ch'tis. Donc du coup voilà, là on est dans la chambre d'hôtel, on est en train de se préparer et regarder Grey's Anatomy aussi accessoirement, mais je vais vous faire un petit room tour de la chambre qui est plutôt sympathique. Donc quand on rentre, il y a un premier lit ici. Enfin, donc je comprends pas trop, en fait il y a deux lits, donc je ne sais pas, parce qu'en fait on a chacun notre chambre. Donc là il y a un premier lit avec quelques affaires de Tiffany. Ensuite on arrive ici, bon là c'est Grey's Anatomy. Le deuxième lit, le lit de Jelly, trop cute. Tiffany qui se lisse les cheveux, avec la salle de bain qui est trop belle. Franchement, ouais. J'adore, j'aime trop. Et voilà. Tiffany qui n'a pas les mêmes chaussettes aussi, excellent. Alors, moi je n'ai jamais les mêmes chaussettes. Oh là là. Jamais. Et là, les toilettes qui s'allument toutes seules. Regardez, je rentre dedans, je suis là. Ouais, okay. Voilà, c'était mon petit kiff de la journée, je trouve ça absolument génial. Donc voilà à quoi ressemble la chambre. Donc on va continuer encore un peu à se reposer parce qu'on s'est levé tôt ce matin. Et ensuite on va aller déjeuner et on ira à la signature. On est en route pour la dédicace et j'adore parce que on est dans un taxi 5 places et en gros je suis derrière. T'es punie? Ouais, je suis punie en fait, je suis tout derrière. Mais c'est surtout que on nous a dit la plus petite derrière. Et Tiffany elle fait, bon bah je crois que c'est toi. Et merci Tiffany. Ah, vas-y tu peux. Ah, bah, tu... Non bah c'est parti. Oh oh, voilà. Marie qui a failli se prendre. Ouais. Ça filme, ça filme. Ramener quoi? Un maroilles. Voilà. Il y a plein de plastique parce que ça pue vraiment. Non. Ok. Mais attends, mais il est énorme en plus. Il pèse combien le truc? Je sais pas. Ah ouais, mais c'est un beau bébé. L'ouvre pas tout de suite, l'ouvre pas tout de suite. Oui, j'aime bien ça, mais là le maroilles, j'en ai qu'à moitié en fait. C'était flag. On a t'as dit dans tes vidéos. Voilà, mais je pensais pas qu'elles allaient le prendre au pied de la lettre. Donc voilà, dans le train demain, ça va être sympathique. Coucou, bah c'était pour te dire qu'on t'aimait trop fort Marie et que j'adore. Bisous. Oh,
je regarde toutes tes vidéos, qu'on t'aime et ouais. On t'adore. Et moi pareil, on a abonné et on t'adore. Enfin, c'est super que tu sois venue à Dunkerque parce qu'il n'y en a pas beaucoup de youtubeuses qui viennent. On t'adore. Il est sublime. Mais il est juste sublime. Non mais. Bon, je sais pas si on vous avait montré, mais une abonnée qui s'appelle Kelly. Donc elle est dessinatrice, elle m'a dessiné, je pense que ça se voit. Mais je voulais vraiment la mettre dans le vlog parce que jusqu'à maintenant, je pense de toute ma vie, c'est un des plus beaux cadeaux qu'on m'ait jamais fait. Franchement, le dessin est d'une qualité de fou, je suis hyper touchée et surprise. On dirait une photo en fait, donc je trouve ça juste absolument dingue. Donc Kelly, si tu passes par là, je te fais plein de bisous, merci beaucoup. Je vais l'embarquer chez moi et je vais l'accrocher. Parce que vraiment, normalement j'accroche pas trop tôt de moi dans mon appartement parce que ça fait un peu fille qui se kiffe. Mais là franchement le dessin est tellement beau que je veux pas le laisser comme ça quoi, donc trop beau. Et c'est à Dunkerque aujourd'hui pour une séance de dédicace, moment d'émotion intense pour ces jeunes femmes, Marine Abimaldier et Frédéric Gité. Certaines ont attendu 5 heures pour être les premières à la rencontrer. Elle est trop belle. Je suis morte. Et si Enjoy Phoenix a choisi Dunkerque pour cette séance de dédicace, c'est que son passage à Lille en 2015 avait attiré 4000 fans. La mairie a tout simplement refusé un nouvel attroupement. Elle est belle, elle est. C'est beaucoup d'émotion pour toi. Pourquoi? Je t'adore. Oh non. Quoi? Un Tu te sens pas bien, Marie, peut-être? Voilà. Voilà. Le deuxième. Le deuxième, c'est pour qui? Pour vous? C'est énorme, mais ça rentre pas dans mon petit corps, ça. Voilà tout le monde, bah écoutez, ce vlog est terminé. On vient de rentrer du restaurant. Il est 21h30, quelque chose comme ça. J'espère que ce vlog vous a plu. En tout cas, je voulais vraiment vous remercier d'avoir été si nombreux à Dunkerque. Ça m'a vraiment fait plaisir. Je sais que bah voilà, ça a été un petit peu difficile de trouver une date pour le Nord parce que voilà, Lille n'a pas voulu qu'on vienne pour des raisons de sécurité parce que la dernière fois, il y avait eu tellement de monde que bah ça avait été difficile à gérer. Je me souviens qu'il y avait eu plus de 4000 personnes, quelque chose comme ça. Ça avait été vraiment ouf. Et donc du coup cette année avec tout ce qui s'est passé, le plan Vigipirate etc, on n'a pas pu faire la signature à Lille, ce qui est totalement totalement compréhensible et totalement normal. C'est pour ça qu'on a délocalisé à Dunkerque. Mais en tout cas merci déjà rien que d'être venu vraiment à ma signature, ça m'a vraiment touché et ça m'a fait plaisir de voilà de vous voir vraiment nombreux à Dunkerque. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette signature vous a plu si vous étiez présent. Et en tout cas, si jamais je ne suis pas encore passée dans votre ville, sachez que j'arrive puisque la prochaine dédicace, c'est samedi. Donc là, on est mercredi, demain jeudi, on rentre. Samedi, prochaine dédicace à Strasbourg. L'année dernière, c'était ma première dédicace Strasbourg. Donc du coup, j'ai trop hâte d'y retourner cette année. Mais voilà, pour avoir un peu les mêmes émotions que j'ai pu avoir l'année dernière parce que ça avait été vraiment dingue. J'adore Strasbourg comme ville, je trouve ça super joli. Genre, c'est vraiment trop beau comme ville, ça fait partie vraiment de mon top 3 de mes villes préférées en France, culturellement parlant, et enfin c'est juste trop beau quoi. Donc voilà, j'ai hâte de vous voir à Strasbourg. Et d'ailleurs, si vous venez à Strasbourg, il y a une vidéo qu'on va tourner là-bas. Vous verrez ce que c'est, de toute façon vous verrez si vous êtes
bah, si vous êtes de Strasbourg et si vous venez me voir là-bas, mais on va tourner une vidéo hyper cool tous ensemble. Donc voilà, je vous en dis pas plus, mais venez nombreux, j'ai hâte de vous y voir, de vous serrer dans mes bras comme d'habitude. Et c'est tout pour aujourd'hui, bah écoutez, sur ce je vous fais à toutes et à tous de très gros bisous. Moi je vais me démaquiller, regarder Le Meilleur Pâtissier avec Jelly qui est en train de manger son os quelque part. Et voilà, repartir demain pour Lyon. Donc sur ce je vous fais plein de gros bisous et je vous dis du coup à très vite dans un prochain vlog. Bye bye.